Donc l'extrait du film que nous venons de voir fournit une entrée en matière qui est comment dire un peu ludique quoi, un peu amusante, hein, un sujet beaucoup plus grave et sérieux, hein, qui est l'irruption des sciences du comportement dans la politique au XXe siècle. Qui définissait le logiciel politique dans les siècles passés, hein, dans l'histoire de l'humanité, bon, c'était soit les religieux, soit les philosophes. Alors, au XXe siècle, les scientifiques ont pris la place, hein, des religieux et des philosophes. Et ou des philosophes. Hein, puisque, donc, Platon était philosophe, hein, en fait, l'avènement de la philosophie comme logiciel politique, hein, ne date pas d'hier, hein, très ancienne. Donc, au XXe siècle, mais bon, ça avait commencé un peu au XIXe siècle, mais c'est vraiment au XXe siècle que ça s'est mis en place, hein, et que le monde politique a commencé à être sous influence, hein, d'une pensée scientifique, voire même d'une pensée scientiste, qui a pour effet essentiel donc de réifier, hein, le rapport à autrui. Hein, c'est-à-dire que aussi longtemps que la politique s'inscrit dans le champ de la religion ou de la philosophie, on est dans finalement quelque chose de assez naturel en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans le débat d'idées. Hein, avec éventuellement une implication ensuite un peu dictatoriale ou tyrannique, mais on est dans le langage et dans un rapport d'interlocution. Avec l'irruption des sciences du comportement, comme on le voit là, on n'est plus dans le débat d'idées, on est dans le rapport, hein, à des cobayes, hein, et finalement dans une forme d'animalisation, enfin en tout cas de réification, c'est-à-dire chosification. Du geste politique. Hein, le geste politique n'est plus dans le langage, en réalité. Et, il devient, en quelque sorte, il est dans le protocole. Protocole expérimental. C'est pas tout à fait la même chose que le débat d'idées, y compris avec le côté parfois dogmatique des religions ou des philosophies. Mais bon, malgré tout, il y a une sorte de plasticité. Hein, on voit bien entre les textes religieux ou les textes philosophiques fondateurs, hein, ou les textes juridiques, hein, sous Rome, c'était essentiellement des juristes qui définissaient la pensée politique. Là, au XXe siècle, ça devient effectivement quelque chose d'un peu plus sec, hein, d'un peu plus aride, et dont l'expérience de Milgram nous fournit un échantillon. Il y a une autre expérience qui est très connue, c'est l'expérience de H, de Solomon H. Solomon, le prénom H, A-S-H, ce serait intéressant un jour qu'un cinéaste mette en scène aussi cette expérience, parce qu'elle est tout aussi troublante que celle de Milgram, voire peut-être plus. C'est l'expérience qui a mis en évidence que l'humain n'était pas en rapport direct avec le monde, mais passait par la représentation des autres pour se faire sa propre représentation à lui. Donc c'est une expérience aussi de psychologie sociale, hein, qui ressemble beaucoup à celle de Milgram, puisque en fait le vrai cobaye n'est pas celui que l'on croit. Hein, dans l'expérience dont on a vu un extrait, on croit que le cobaye, c'est celui qui reçoit les décharges électriques, alors qu'en fait c'est l'autre qui est testé. Dans l'expérience de H, il y a quelque chose de similaire. Qui en a entendu parler? Non, personne. Alors donc ça consiste à projeter des images et à demander à un petit groupe de gens, hein, ce qu'ils voient. Et donc mettons qu'il y ait 10 cobayes, en fait il y en a 9 qui sont des acteurs, hein, comme le monsieur Rivoli là dans le film, et qui au début donc tiennent des propos rationnels, hein, on projette par exemple une voiture, ils disent on voit une voiture. Et puis progressivement, ils commencent à raconter absolument n'importe quoi. On leur projette un chat, ils disent on voit un chien. Mais ils sont tous. Sur les 10 cobayes, sur les 10 cobayes, il y en a 9 qui sont complices et qui commencent à raconter tous ensemble n'importe quoi.
Et le vrai cobaye qui est testé, c'est le dixième, larron, hein, qui, lui, on n'est pas au courant et qui commence à se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte tous mes collègues d'expérience là. Moi, je vois bien sur cet écran, sur cette image qu'on projette, que c'est pas un chat, c'est un chien. Mais pourquoi les autres disent-ils qu'ils voient quelque chose qui est manifestement faux? Et au fil donc des images projetées, l'individu isolé, hein, qui est le vrai cobaye, commence à douter de lui-même et de ses perceptions, et donc de sa propre lucidité. Et il commence à aligner son discours, hein, ses propos, sur les propos délirants, hein, de plus en plus délirants, du groupe de faux cobayes. Et donc, en fait, on voit un mécanisme qu'on appelle de mimétisme, hein, se mettre en place, qui conduit finalement l'individu isolé, à aligner sa perception sur celle du groupe, même si la perception du groupe est hallucinatoire, pour ainsi dire. Donc là, on voit comment se construit le consensus social, le consensus politique, hein, c'est par effet de masse, par effet de contamination, par effet donc de consensus, mimétique, sans force, et avec donc un phénomène de transgression du réel objectif. Ça a une source parfaitement physiologique, hein, c'est le principe, c'est les neuromiroirs qui sont à la base de l'apprentissage, qui sont des neurones à la base de l'apprentissage et qui sont à l'origine de ce mécanisme de mimétisme par lequel nous construisons notre rapport au monde. Donc les neurones miroirs ont été mis en évidence par un laboratoire italien. Il y avait René Girard, hein, qui parlait de ça à une certaine époque. On s'est rendu compte qu'effectivement, l'humain ne vit pas n'est pas en rapport direct avec le réel, hein, et donc notre rapport au réel est médiatisé par ce qu'on pourrait appeler, ce que la psychanalyse lacanienne appelle une réalité. Donc il y a le réel objectif, hein, c'est-à-dire les images qui montrent, par exemple, un chat. Si le groupe dit dans sa réalité, moi je vois un chien, l'individu isolé tend progressivement à aligner sa perception individuelle sur la perception du groupe, et donc pour partager la réalité hallucinatoire du groupe. Fondamentalement, nous ne sommes pas une espèce d'individus isolés. Enfin, nous sommes grégaires. C'est génétique, c'est instinctif. Et donc, spontanément, notre cerveau a évolué pour nous mettre d'abord en phase, hein, en harmonie. On parle d'harmonisation sociale, de synchronisation sociale. Notre cerveau est conçu pour nous synchroniser avec le groupe avant tout, même quand le groupe fait erreur. Et donc, l'expérience de Hatch là, a mis ça en évidence. Mais bon, à la limite, c'est intuitif. Hein. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle en anglais le groupthink, c'est-à-dire la pensée de groupe. Hein. C'est aussi un isolat conceptuel de la psychologie sociale qui travaille justement sur ces phénomènes de consensus erronés, mais qui induisent des comportements de foule. Un peu à la manière des lemmings, hein, qui se jettent du haut d'une falaise tous ensemble, voilà. Et donc le groupthink, c'est-à-dire la pensée de groupe, c'est un autre nom en fait, hein, pour ce que l'expérience de H a mis en évidence, c'est-à-dire le mimétisme structurel de notre fonctionnement neuronal, hein, qui nous conduit bien souvent à privilégier l'adhésion au groupe. Par rapport à au fait d'assumer une vérité objective, mais qui nous isole. Parce que, voilà, dès qu'on se retrouve isolé, on commence à avoir peur, on n'est pas fait pour ça. Hein. Voilà, il y a des animaux, hein, qui sont faits pour vivre seuls dans la forêt, les ours, voilà, ils se rencontrent une fois de temps en temps pour faire des petits, et puis après, chacun repart de son côté. Et ben, nous, on est une espèce grégaire, comme les fourmis, etc., comme les abeilles, et on est fait pour vivre en groupe. Et donc, notre perception n'est pas individuelle. C'est-à-dire que quand on croit que notre perception est individuelle, en fait, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle est toujours préformatée par un consensus groupal.
Et donc, ça, bon, c'est quelque chose qui s'observe avec beaucoup plus d'intensité dans les sociétés traditionnelles, où là, vraiment, la survie de l'individu est conditionnée par son adhésion aux valeurs du groupe. Dans les sociétés postmodernes, un peu atomisées, éclatées comme la nôtre, bon, on peut s'en sortir en étant solitaire, un peu autiste, hein, un peu misanthrope. Parce que, voilà, il suffit que j'aille au supermarché, je m'achète des boîtes de conserve, et puis voilà, j'ai pas besoin finalement de vivre en société, dans une tribu ou dans un environnement, comment dire, très homogène, hein, au niveau des pratiques, au niveau de la pensée. On peut se satisfaire d'un éclatement, d'un morcellement, hein, parce que la tertiarisation fait que je n'ai plus besoin de tout fabriquer de mes mains, et comme, il est impossible de tout fabriquer, il faut toujours. Enfin, dans les sociétés traditionnelles, il faut toujours compter sur le voisin ou sur la famille, bref, en tout cas sur la famille élargie et tous les mécanismes comme ça de proche en proche, hein, de cercle relationnel qui nous permettent individuellement de sauver notre peau. C'est toujours ça. Dans les sociétés tertiarisées qui sont les nôtres, on peut sauver notre peau en étant effectivement misanthrope, isolé et en cultivant une singularité. Donc, tout ce que je dis là, peut effectivement être oublié et nous échapper. Mais malgré tout, ça reste latent et puis ça reste structurant de toute façon. Et heureusement, hein, puisque c'est ce qui constitue un corps social aussi. C'est-à-dire que les choses ont des, enfin, comme on dit de certaines personnes, qu'elles ont les défauts de leur qualité. C'est parce que nous sommes capables de nous tromper tous ensemble que nous sommes capables d'être ensemble. Vous voyez? On ne peut pas non plus, au nom d'une espèce d'individualisme libéral-libertaire, cracher sur ce mimétisme et sur ces phénomènes grégaires. Voilà, ça nous constitue, on est comme ça, on n'y échappera pas, quoi. Donc, il faut voir le côté positif de la chose aussi, et puis savoir effectivement quand vraiment le consensus est erroné, réussir à le modifier et à introduire un peu plus de réalisme dans certains cas. Donc, ce qui est très important en termes d'ingénierie sociale, c'est de prendre le contrôle de ce consensus, hein, de ce consensus groupal, qui n'a pas de rapport automatique avec le réel. Donc, il s'agit de prendre le contrôle de la représentation que le groupe se fait du monde. Automatiquement, si des gens connaissent un petit peu, ça fait penser à la sémantique générale, hein, de Korzybski. C'est-à-dire que qu'est-ce que, enfin, la phrase, le maître, les mots-clés, hein, dans sémantique générale, c'est la carte et le territoire. Hein, donc il y a le territoire, c'est-à-dire le réel, et la carte, c'est-à-dire la représentation du réel, qui ne s'identifie pas au réel, qui est une représentation, et donc l'humain vit donc finalement a une jambe, enfin un pied dans la carte, mais enfin un pied dans le territoire et un pied dans la carte. C'est-à-dire que nous passons notre vie à circuler entre un réel objectif et une construction intersubjective, qui est donc cette carte collective. Qui définit notre consensus de groupe. L'ingénierie sociale consiste à prendre le contrôle d'abord donc de cette représentation collective, donc de cette carte collective, cette pensée, de ce consensus de groupe. Parce qu'en réalité, dans un premier temps, en fait, le réel importe peu. Comment se construit cette carte du territoire? Essentiellement au moyen de mots. Nous baignons dans un monde de mots. L'humain, c'est vraiment un peu sa spécificité par rapport aux autres espèces. Nous médiatisons notre rapport à autrui, évidemment, par le langage. Qu'est-ce que je fais là depuis 15 minutes? Je vous envoie des mots. Voilà. Puis là, vous les intériorisez, ils remontent dans votre cerveau, et la représentation que je transmets dans l'espace est redéployée dans votre cerveau, et comme on parle la même langue, vous comprenez ce que je dis. D'où l'importance du code, hein, la question du code qui est vraiment centrale.
Où est-ce que j'en étais? Donc, la représentation collective est quelque chose qui, en quelque sorte, est virtuel, hein, puisque c'est constitué par des mots. Les mots désignent, enfin, un petit point de linguistique, hein, un mot, enfin, c'est-à-dire un signe, est constitué de trois composants. Donc, le signifiant, le signifié et le référent. Le référent, c'est l'objet réel. Par exemple, ça c'est un livre. Donc là, il y a le référent, c'est l'objet réel. Le signifiant, c'est le mot que vous entendez. Et le signifié, c'est en fait la signification. Tout ça, ça peut se décomposer. Hein, parce que, en fait, bon, un livre, par exemple, en anglais, ça se dit book. En allemand, ein Buch. Voilà, bon, quoi d'autre dans les langues que je connais? Enfin bon, c'est deux langues que je connais principalement, donc voilà, et puis bon, enfin, évidemment, dans chaque langue, c'est un terme différent. Voilà, en fonction des origines des langues, c'est-à-dire, il y a des racines étymologiques qui se ressemblent, hein, évidemment, puisque, par exemple, l'anglais et l'allemand ont un tronc commun, ça se ressemble, hein, book et bourg, enfin, à l'oreille, tout de suite, on voit qu'il y a effectivement une origine commune. Cet univers un peu de virtualité langagière est relativement plastique, on peut en prendre le contrôle. Maintenant, bon, et ça, c'est tout le travail, enfin, sur les éléments de langage. Vous avez peut-être entendu parler de ça, donc c'est le storytelling qui permet, donc, quand on isole ce phénomène, donc de commencer à prendre le contrôle de l'esprit des gens, hein, éventuellement en les mettant en contradiction avec le réel. Puisque en prenant le contrôle du paquet de langage, enfin du paquet de mots, hein, en prenant le contrôle du code de tel groupe, on peut commencer à façonner son cerveau collectif. Et on peut commencer en fait à modifier sa représentation collective des choses, c'est-à-dire sa carte, hein, la carte que le groupe partage et que les parents transmettent aux enfants. Voilà, on se transmet mutuellement avec des phénomènes de renforcement ou de punition, etc. Donc, prendre comment dire, le contrôle de ce consensus groupal, ça veut dire prendre le contrôle du paquet de mots, hein, des éléments de langage, donc de la narration de tel groupe. Et éventuellement pour la réécrire. On ne se contente pas de. Enfin, prendre le contrôle de ça, c'est pas pour juste. Enfin, ça peut être, hein, évidemment, dans un but contemplatif, hein, pour admirer la culture de tel groupe humain. C'est ce qu'on fait quand on étudie justement une culture étrangère. Bon, voilà, on commence à isoler, hein, la narration collective de tel groupe et à reconstituer. En quelque sorte, son algorithme, enfin son mythe fondateur, hein, c'est-à-dire ce qui constitue sa narration identitaire, hein, viscérale, en quelque sorte, le mythe fondateur, c'est-à-dire la manière dont ce groupe se raconte à lui-même. Alors, l'ingénierie sociale, la plupart du temps, consiste ensuite à modifier, à introduire des modulations dans cette narration collective. Le meilleur moyen pour introduire des modulations, en fait, c'est d'aller au-delà de la modulation, c'est carrément bon, d'infliger des chocs. Quand l'ingénierie sociale a pour but simplement de prendre le contrôle d'un groupe, donc on va introduire des modulations pour rajouter des éléments de manière un peu synthétique, en fait, hein, c'est-à-dire faire du bouturage culturel. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est la déclaration de Hillary Clinton sur ce que les Américains ont fait en Afghanistan dans les années 80, sur un plateau de télé. Non, oui, voilà, c'était au Congrès, en fait. Elle parle de comment donc les Américains, enfin les services secrets, tout ça, ont importé le wahhabisme en Afghanistan. Le wahhabisme est une variante de l'islam. Mais qui était totalement inconnu en Afghanistan avant que la CIA l'importe en Afghanistan. C'est le phénomène Ben Laden. Voilà.
Et donc là, il y a eu en fait un bouturage culturel, intra-islamique, hein, mais réalisé par des éléments extra-islamiques. Ça, c'est de l'ingénierie sociale pure. Hein, c'est de la recomposition culturelle et identitaire, hein, puisque l'identité maintenant islamique afghane, l'identité musulmane afghane, enfin l'identité afghane, quoi, tout court, aujourd'hui est un produit, hein, de ce bouturage entre le wahhabisme et la version de l'islam historique qui s'était développée au fil des siècles en Afghanistan. Et cette nouvelle identité afghane est entièrement due à l'action d'un acteur extra-afghan et même extra-musulman qui s'appelle la CIA. Donc ça, c'est toutes ces recherches-là qui aboutissent, en fait, enfin, c'est monstrueux, en fait, quand on y pense. Enfin, je veux dire, c'est en fait une prise en charge totalement artificialisante de ce qui constitue finalement notre intimité, hein, notre intimité identitaire, les religions auxquelles on adhère, nos croyances, notre narration collective peut être prise en charge par un acteur extérieur et modifiée à notre insu. Parce que l'astuce, elle est là, hein, évidemment. Si c'est pas à notre insu, ça va pas marcher. Pour que ça prenne, il faut que ce soit à notre insu. Là, bon, le phénomène, ce qui s'est passé donc, en Afghanistan sous l'influence de la CIA, manifestement, oui, effectivement, c'est réalisé peut-être pas vraiment à l'insu des Afghans, mais dans la mesure où ils étaient en lutte contre l'URSS, ils ont accueilli, hein, cette influence américano-wahhabite, les bras ouverts, hein, puisque bon, c'est comme ça qu'ils ont eu les lance-missiles Stinger, les fameux Stinger qui leur ont permis donc de dégommer des hélicoptères soviétiques et de donc d'affaiblir l'Union soviétique et en même temps donc d'aider les Américains et le bloc atlantiste dans son conflit avec le communisme. Donc l'accueil, hein, de ce bouturage culturel, de cette transformation, se fait alors parfois de manière totalement furtive, hein, parfois semi-furtive, parfois intéressée. Bon, là en Afghanistan, je pense que les dirigeants afghans des années 80 ont été très intéressés et ont en quelque sorte ont pris, hein, cette influence extérieure et l'ont en quelque sorte assimilée. Sans trop de problèmes, parce que voilà, bon, c'est tout, il y avait de l'argent ou des armes à la clé. Maintenant, on voit bon, que parfois ça se fait de façon. Ça se fait au moyen, par exemple, d'une révolution colorée, ça se fait au moyen de diverses façons, mais bon, en général, effectivement, c'est à mi-chemin entre la furtivité complète, hein, c'est-à-dire l'inconscience totale de la population locale. Un intérêt de cette population locale pour mener, je ne sais pas quoi, un combat contre un envahisseur supposé. En s'associant à un troisième acteur qui va faire une espèce de plan Marshall, hein, c'est-à-dire qui ramène donc son matériel culturel, hein, et qui va mener une guerre culturelle juste après avoir mené une guerre de libération. On a eu ça en Europe, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, boum, les quotas de films américains en Europe. Voilà, donc on a eu ça aussi. Hein. Donc là, je prenais l'exemple de l'Afghanistan et de cette espèce d'hybride fabriqué par les Américains, enfin de cet hybride wahhabito-afghan fabriqué, mais la guerre culturelle menée par les services secrets anglo-saxons et par en fait pas forcément les services secrets à proprement parler, même s'ils sont très impliqués, mais la guerre culturelle menée par le monde anglo-saxon procède souvent à la faveur donc effectivement d'un conflit, hein, d'une guerre, ce qui permet d'ouvrir le système plus facilement, enfin, le système à conquérir, qui en quelque sorte est affaibli, hein, donc son système immunitaire est affaibli. Et il accueille, hein, ce que j'appelle du bouturage culturel, enfin, il accueille l'influence extérieure plus facilement. Le plan Marshall, c'était ça, au niveau de l'aspect, effectivement, de guerre culturelle, quota de films, et en quelque sorte, colonialisme, enfin, soft power, quoi, hein, c'est-à-dire colonialisme par la culture, par les représentations, par l'influence
idéologique. Il y a donc des applications de, un peu plus, je dirais, un peu moins soft, hein, un peu moins douces. Bon, même si à terme, c'est le soft power, en général, devient assez trash. Hein, bon, pardonnez-moi ces anglicismes, hein, mais donc, après donc, les quotas de films John Wayne, etc., et donc, qui pouvaient paraître sympathiques, hein, faut voir ensuite la logique hein, des choses. On commence par John Wayne, et puis on pense que c'est ça, les États-Unis. Ah, c'est sympa, oui, voilà. C'est... Et puis, progressivement, alors après, on passe à la pop musique. Bon, c'est toujours sympa, hein. Il y a des vraies réussites, hein, des belles chansons. Bon, quand on passe au LSD, on se dit, oh, là, ça commence à devenir un peu instable, quoi. Et puis, bon, à partir des années 70-80, effectivement, c'est la montée en puissance du politiquement correct, hein, et donc, oui, du LGBT. Et puis, à la fin, ça donne ce dont on parle dans le livre « Marchandiser la vie humaine hein, », c'est-à-dire, en fait, bon, le déferlement capitaliste, jusque dans le ventre des femmes, hein, comme disait Pierre Berger. Nous allons mettre en nous allons marchandiser, non, c'est de quoi déjà son expression, nous allons mettre en vente, enfin mettre en location le ventre des femmes. Alors, donc il y a des aspects, effectivement. Alors bon, on voit que sur le long terme, hein, donc c'est tout, enfin les sciences du comportement appliquées en politique aboutissent à une infiltration lente hein, des esprits, des cultures, des identités, pour en fait, bon, déjà dans un premier temps, les contrôler, ensuite les modifier, et puis bon, bah, à la fin les détruire hein, totalement. Alors, il y a le terme de l'expression stratégie du choc qui a été divulguée par Naomi Klein bah, dans son livre du même titre, où elle met en évidence certains rapprochements structurels qu'on peut faire entre les techniques de torture modernes et l'économie libérale, hein, qui procède effectivement aussi par la destruction, par les crises provoquées hein, volontairement, mais toujours sous contrôle. Hein, c'est les techniques de chaos contrôlé en ingénierie financière hein, qui sont assez connues dans les milieux de Wall Street. On voit que au bout d'un moment, quand on met bout à bout toute cette documentation, toute cette masse documentaire, on arrive à la conclusion que ce qui constitue le fond de culture des États-Unis, hein, qui nous envoie tout ça, c'est en quelque sorte le mind control, hein, c'est-à-dire le contrôle mental. En fait, en réalité, bon, la zombification, hein, le mind control, ça fait ça. C'est-à-dire que le mind control, c'est donc un ensemble de techniques d'assujettissement ou d'esclavage mental qui permettent de transformer un individu à peu près lucide et rationnel en un pantin, une marionnette, enfin bref, un esclave sous contrôle et qu'on pourra éventuellement activer avec des mots-clés. Donc là, ça refait, rejoint l'extrait de film qu'on a vu. Faut savoir que bon, ça, c'est quelque, enfin, le mind control n'est pas une véritable dénaturation, parce que vous aussi, vous fonctionnez avec des mots clés. Si je dis des mots qui vous plaisent, eh bien, vous allez vous sentir bien. Hein, donc, je vais avoir une action directe sur votre émotion. Si je tiens un discours qui vous plaît, hein, et en revanche, si je commence à tenir un discours qui vous plaît pas. Hein, qui vous met mal à l'aise ou qui vous met en colère, bon bah là, voilà, les pulsations cardiaques s'accélèrent, la pupille se dilate, hein, et donc voilà, donc au moyen d'éléments de langage, comment dire, précis, je peux provoquer en vous hein, des réactions aussi ciblées hein, et de manière quasi automatisée. Hein. On a tous comme ça des un petit peu, je dirais, des façons de réagir parfois un peu primitives hein, et un petit peu instinctives, un peu sanguines, quoi, colériques. Et donc, le mind control consiste à, et l'ingénierie sociale en général, hein, à repérer quels sont les éléments de langage qui provoquent tel effet dans la sensibilité de tel cobaye.
Il y a aussi une autre illustration cinématographique hein, qu'on aurait pu utiliser. C'est un réalisateur, c'est un cinéaste très connu, qui s'appelle Stanley Kubrick, qui a beaucoup travaillé sur justement tout ce qui est mind control et technique d'infiltration et de retournement aussi, hein, comme on le voit dans Orange Mécanique, hein, où l'individu, ça ressemble beaucoup à l'extrait là, de Costa Gavras, là, quand le personnage Alex, si je me souviens bien, dans le film, là, qui au début est un horrible délinquant, est reconditionné entièrement pour devenir finalement quelqu'un de pacifique et qui a des réactions de nausées dès que la perspective d'une violence physique s'approche de lui. Stanley Kubrick a poursuivi son étude, hein, son étude de mœurs en quelque sorte, aussi dans Full Metal Jacket, hein, puisque toute la première partie du film, c'est une étude quasi clinique hein, des techniques de conditionnement militaire de l'armée américaine. Donc comment fabriquer, et en fait, bon, ce que les Marines appliquent hein, pour fabriquer des soldats qui seront totalement effectivement robotisés et finalement des soldats normaux quoi. Je veux dire, c'est pas très très extraordinaire en fait. Un militaire doit obéir avant toute chose quoi. C'est appliqué, mais à un niveau encore supérieur dans les forces spéciales. Et donc il y a effectivement toute une réflexion sur le conditionnement comportemental aux États-Unis qui produit des fruits donc essentiellement dans le champ militaire mais qui finalement à un moment en fait déborde hein, du domaine militaire et commence à se diffuser un peu dans toute la société. Enfin, à force d'étudier ces questions-là, j'ai vraiment le sentiment que le fond culturel américain, c'est le mind control. Il y a donc des théoriciens hein, de tout ça. Donc, alors bon, indirectement, Naomi Klein a beaucoup parlé de ça, mais elle s'appuie sur le manuel Kubark, hein, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui est en fait un manuel de torture. Hein. Et qu'on peut acheter dans le commerce en fait, hein, parce que ça, on peut le trouver à la FNAC, dans les librairies. Il y a une maison d'édition française hein, qui se l'est procurée, qui l'a traduit. C'est en source ouverte. Et donc, tout ça, c'est encore que la partie visible de l'iceberg. Faut regarder. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de regarder les applications, en termes aussi là, donc de d'ingénierie sociale. C'est-à-dire en fait, comme souvent, ce qui commence à être appliqué, c'est-à-dire en fait, ce qui commence à être utilisé dans le champ militaire, a des applications ensuite civiles. 10 ans ou 15 ans ou 20 ans plus tard. Donc c'est ce qui est relativement inquiétant, hein, parce que en fait, les expériences de mind control hein, donc, ont commencé à être théorisées et mises en application dans les années 50 hein, aux États-Unis, mais aussi effectivement évidemment en Chine, hein, ça a donné l'expression de candidat manchou. Hein, pour qualifier quelqu'un qu'on a conditionné de A à Z hein, et qui obéira aux ordres en fonction justement de mots-clés qu'on va prononcer à tel moment et qui vont déclencher une espèce de détail quasi hypnotique. Encore une fois, tout cela n'est pas très mystérieux. Hein, il est possible hein, de provoquer ça. Sans finalement aller jusqu'à l'hypnose. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, si je parle avec quelqu'un, par exemple, une discussion, là, tout à l'heure, on parlait, on imagine faire une discussion comme ça au bistrot, au bar, etc., on peut s'amuser hein, à essayer de repérer quels sont les mots-clés qui provoqueront telle réaction de plaisir ou telle réaction de déplaisir chez tel ou tel individu. Et ensuite, y a des gens qui sont des vrais, des as hein, de ça, qui sont
des professionnels même, hein, on appelle ça des mentalistes. Et qui vont ensuite au-delà même du langage en mots, mais qui deviennent aussi des spécialistes du langage corporel. Et qui donc ensuite savent, enfin il y a une série télé là qui s'appelle Mentaliste. C'est voilà quoi. Enfin, disons, c'est aussi, en fait, ce sont des choses qui aux États-Unis sont quand même assez populaires et assez connues, parce que bon, ils ont du point de vue, on pourrait dire civilisationnel ou culturel, bon, ils ont toujours une ou deux générations d'avance sur l'Europe. Donc en fait, toute cette thématique hein, des sciences du comportement, du conditionnement comportemental. Ça, c'est en train d'arriver en France aujourd'hui, alors que bon, c'est effectivement des choses assez banalisées déjà aux États-Unis depuis les années 80 et même encore avant. Donc, tout cela, en fait, bon, n'est pas gratuit hein, et trouve des applications effectivement au niveau géopolitique hein, dans les opérations psychologiques. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une opération psychologique ? C'est une opération militaire ou paramilitaire, hein, ou clandestine, dont le but est de provoquer une transformation, justement, donc du consensus groupal. Donc, comme je parlais tout à l'heure du consensus groupal, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'arrière-fond, hein, ce qui définit la toile de fond de nos vies, en termes psychologiques. Une opération psychologique a pour but donc d'introduire une interruption dans le continuum de ce consensus groupal pour ensuite commencer à travailler dessus, hein, c'est-à-dire vraiment comme c'est bizarre hein, tout ce que je dis parce que bon, c'est spontanément on pense que l'esprit c'est quelque chose d'intérieur. En réalité, donc, toutes les sciences du comportement montrent qu'on peut extérioriser l'esprit et travailler dessus comme sur un objet en trois dimensions. Et là, en plus, c'est pas l'esprit individuel, hein, l'esprit collectif, c'est-à-dire le cerveau collectif en quelque sorte. Et les anglo-saxons travaillent là-dessus, c'est-à-dire ils font ce qu'ils appellent un blueprint, c'est-à-dire en fait, ils font une modélisation, enfin en ingénierie sociale, notamment dans certains laboratoires comme la Rand Corporation, travaillent sur le blueprint, c'est-à-dire en fait sur la modélisation 2D, enfin ou 3D, de l'esprit collectif de tel groupe qu'ils ont l'intention de coloniser, par exemple, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de réactions quand ils arriveront, hein, avec soit des produits pour commencer, ou directement avec des troupes au sol, ou des bombardements. Il y a toute une industrie là-dessus, hein, du regime change, hein, du changement de régime, et avec donc comment faire passer le suppositoire sans provoquer trop de réactions, en présentant les choses sous un jour favorable, et pour que, en quelque sorte, justement, il n'y ait pas de mouvement de rébellion hein, quand les boys arrivent. Donc, le complexe militaro-industriel américain travaille beaucoup sur la notion de choc. Hein. Donc comment provoquer des chocs dans telle population, mais comment faire accepter les chocs. Hein, c'est Vislard. Hein. C'est-à-dire comment provoquer des chocs pour parvenir à reformuler le consensus groupal de tel groupe, hein, mais comment faire accepter ces chocs aussi pour que le consensus, pour que le groupe en question ne rejette pas précisément la modification qui va être appliquée par donc des par le storytelling et par donc des chercheurs dans tel ou tel think tank de Washington DC. Donc le principe de l'opération psychologique, hein, bon, il est vieux comme le monde, hein, en fait, bon, et avant même d'apparaître sous le terme de stratagème, puisque finalement c'est rien d'autre que ça. Hein. Donc chez des auteurs classiques hein, comme Machiavel ou Sun Tzu, hein, encore avant, et même Platon. Hein. Donc en fait il est déjà présent consciemment ou inconsciemment hein, chez en fait des espèces vivantes, hein, enfin chez de nombreuses espèces vivantes.
Hein, c'est les exemples de ruse animale hein, qui reposent sur l'art du camouflage. Hein. Ça peut être la morphologie sélectionnée génétiquement hein, pour se confondre avec l'environnement et échapper aux prédateurs. La créature elle-même est à peine consciente en fait. Hein. C'est juste que son génome a été sélectionné au fil des générations pour maximiser hein, sa capacité de survie. Plus intéressant, c'est le comportement calculé du prédateur hein, dans la forêt qui avance tapis dans les hautes herbes pour sauter sur sa proie sans être vu. Cela, on peut vraiment s'identifier hein, à ce que fait un chat qui avance comme ça dans le jardin. Je ne sais pas si vous avez vu ça chez vous, hein, si ils ont un chat et un jardin. Et parfois, le chat domestique s'imagine que ça y est, il revient à l'état sauvage et il se tapit comme ça en regardant les oiseaux qui arrivent et puis parfois il essaie de les attraper. Et là, on voit bien que le chat, instinctivement, enfin c'est semi-instinctif, hein, il applique vraiment un stratagème, mais consciemment. Hein, alors c'est semi-conscient, semi-instinctif, hein, évidemment. Mais bon, évidemment, quand il est sur son coussin, etc., il fait pas la même chose. Enfin, quand il est dans la cuisine, qui se frotte à vos jambes, etc., là, il est plus du tout là-dedans. Donc, il y a quand même une stratégie consciente chez ce petit animal et qui repose sur ce principe de furtivité, qui est absolument central aujourd'hui hein, dans toutes les formes de guerre hein, culturelle, guerre psychologique, guerre hybride qui nous sont livrées. Donc, dans les deux cas, hein, que ce soit donc une apparence physique, une morphologie sélectionnée génétiquement ou un comportement conscient, hein, de toute façon, le rapport de force est gagné en installant une rupture de symétrie entre voir et être vu. C'est tout repose là-dessus. Et donc, en travaillant non pas sur la force réelle, mais sur la perception de la force. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, cette espèce de séparation, hein, ce clivage entre le réel et la perception. Enfin, c'est-à-dire le réel et la représentation du réel. C'est-à-dire que les rapports de force ne se jouent pas seulement dans le réel, hein, mais aussi dans la perception du réel, qui équivaut bien souvent à une déformation du réel, donc à une déréalisation. Il est possible de gagner un conflit, hein, c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, enfin, qui essaye en tout cas, mais il est possible de gagner un conflit en faisant croire que je n'existe pas, ou que je suis plus faible qu'en réalité, ou plus fort qu'en réalité. Alors en fait l'exemple de la grenouille est mauvais, mais il y a une variété de poissons qui, pour effrayer les prédateurs, se gonfle hein, et donc devient plus grosse que ce qu'elle est en temps normal pour comme ça essayer donc d'effrayer les prédateurs potentiels qui s'approchent d'elle. Et donc le rapport de force peut se gagner donc en faisant croire que je n'existe pas hein, que je suis plus faible qu'en réalité ou à l'inverse donc en faisant croire que je suis plus fort qu'en réalité. Ce qui est aussi un peu le principe de la propagande. C'est-à-dire que la propagande, ça consiste à multiplier un message. C'est-à-dire qu'une personne peut donner l'illusion hein, qu'en fait elle est 10 au moyen de la propagande. Quand on analyse précisément comment ça marche, la propagande, c'est ça. C'est-à-dire qu'une force se clone, en quelque sorte. Enfin, clone son signal. Et donne l'impression dans le champ des représentations qu'elle est plus importante qu'elle n'est en réalité. Enfin, c'est propagande médiatique. Hein. C'est-à-dire que les médias ont un rôle de caisse de résonance. Ça augmente le signal de telle minorité active qui occupe le pouvoir, mais qui, par le biais de la télévision, peut donner l'illusion que, finalement, nous sommes en minorité. Que c'est nous la minorité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire 200 personnes en France, mais qui contrôlent les chaînes de télé principales, peuvent donner l'illusion, peuvent nous donner l'impression que finalement leurs valeurs sont majoritaires et que c'est nous qui sommes 60 millions, qui sommes en réalité en minorité. Vous voyez, le principe de la propagande, c'est ça en fait. Hein.
Et donc l'irréel joue un rôle dans l'art de la guerre. Dans la, non technique, c'est la polémologie. Et l'irréel donc joue un rôle absolument central dans l'art de la guerre, et un rôle aussi important que le réel. Il ne faut pas l'oublier. Il ne suffit pas d'avoir une bonne analyse de tactique stratégique pour gagner un conflit, surtout aujourd'hui. À la limite, à l'époque des Romains ou des Grecs, oui, voilà, parce que d'une certaine façon, en gros, un conflit se gagnait en alignant des divisions, des gens les uns en face des autres, quoi. Alors après, il y avait quand même le rôle des espions et le rôle de la tromperie, etc., qui existait aussi. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans une virtualisation du combat, une virtualisation des rapports de force, et qui se joue à plus de 50% dans le champ des représentations. Ce qui était moins le cas avant. Enfin, c'est une question de pourcentage. Donc le rapport de force possède toujours deux théâtres des opérations, deux terrains de déploiement. Le terrain où l'irréel s'appréhende, c'est ce qu'on nomme traditionnellement l'esprit, et plus récemment donc la perception au XXe siècle, dans le cadre des rapports de force au moins, on se rend compte que l'esprit c'est la perception. Et d'où cette approche donc issue du complexe militaro-industriel américain qui s'appelle le management de perception. Ensuite, ça a eu des applications en management tout court ou dans le marketing, mais fondamentalement, ça vient des recherches menées par le département d'État et par le Pentagone et tous les labos qui bossent là-dessus. L'intuition fondatrice du management des perceptions, ou de la gestion des perceptions en bon français, c'est que si on ne contrôle pas l'original, c'est-à-dire le réel de l'ennemi, on peut contrôler une copie. Donc la réalité perçue par l'ennemi. Puisque la représentation du réel, c'est une copie du réel. Vous voyez, intuitivement, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que notre vision des choses, en fait, c'est une copie. La carte est une copie du territoire, mais une copie simplifiée. Et donc, si je ne contrôle pas le réel, le rapport de force réel, je peux alors miser sur une prise de contrôle de la représentation du rapport de force. Et donc, je peux en fait m'investir sur la copie du rapport de force réel. C'est comme ça que, en fait, je peux mettre en déroute quelqu'un, ou du moins une force plus puissante que moi dans le réel, au moyen de stratagèmes qui vont jouer, qui vont toucher son système de représentation, d'ailleurs son cerveau, et qui me permettront de lui faire croire qu'en réalité, je suis plus fort qu'elle. Donc je peux effectivement... Si je ne peux pas contrôler l'original, c'est-à-dire l'ennemi réel parce qu'il est plus fort que moi, je peux en revanche contrôler une copie, c'est-à-dire la réalité perçue par l'ennemi, et maintenir cet ennemi donc dans une sorte de prison mentale, après l'y avoir fait entrer, avec l'impression qu'il est toujours chez lui. Donc ça, c'est la guerre hybride qui nous est menée par toutes les minorités actives et tous les... puisque aujourd'hui la guerre se situe à ce niveau-là en fait, fondamentalement. Donc les lobbies, etc., qui arrivent à nous faire croire qu'ils sont plus puissants que nous, donc qui parviennent en jouant sur notre représentation du rapport de force à nous intimider et à inhiber toute capacité. À inhiber en quelque sorte la réactivité. Alors ça, il y a aussi une méthodologie, une technique qui s'appelle l'inculcation de la résignation, c'est la learned helplessness, qui a été beaucoup travaillée aussi par un certain Martin Seligman, qui a évidemment travaillé pour le Pentagone et la CIA. C'est en fait comment... cette approche consiste à inculquer à l'ennemi, à décourager chez l'ennemi l'envie de se battre,
en quelque sorte, en modifiant l'image du rapport de force, en particulier en modifiant mon image. C'est-à-dire en donnant de moi l'image que je suis inoffensif. À partir de ce moment-là, bon, je donne l'illusion que nous ne sommes pas dans un rapport de force. Et donc, je désarme psychologiquement l'ennemi, avant de le désarmer physiquement. Et donc ça a été travaillé par les Américains, mais aussi par les Russes. C'est la théorie du contrôle réflexif, qui vise, réflexif noyé ou provlenié, et qui travaille justement aussi sur les perceptions en miroir. Et donc, il s'agit à travers ces méthodologies, ces techniques, donc de produire l'impression que je ne suis pas dangereux. C'est curieux, parce que bon, là, on change totalement. L'art de la guerre se modifie. C'est une vraie révolution. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, il faut produire l'impression que je suis très très dangereux pour intimider l'ennemi. Mais là, en fait, dans ces nouvelles approches, russes, américaines, etc., il s'agit de produire exactement le contraire. Il s'agit de produire l'impression que je ne suis pas dangereux pour induire donc un phénomène, un mécanisme, finalement, de, même pas de découragement, mais simplement d'indifférence, et donc de désarmement psychologique avant donc le désarmement tout court. Bon, c'est là pour le coup, c'est ce qu'on appelle, ça joue sur le triangle de Cartman, c'est-à-dire je dois réussir à produire de l'indifférence à mon égard, en endossant le rôle plutôt de la victime, c'est-à-dire en faisant croire que je suis plus faible que ce que je suis en réalité. Et donc là, on voit au XXe siècle aussi une inversion totale du discours guerrier habituel, avec donc par exemple des Américains ou des Israéliens qui passent leur temps à faire croire qu'ils sont très faibles et qu'ils sont des victimes. Et tout le discours aujourd'hui des acteurs les plus agressifs au niveau géopolitique consiste à nous inculquer qu'en fait ils sont très faibles. C'est amusant, parce que c'est vraiment une inversion complète finalement de l'art de la guerre classique qui célèbre les valeurs de virilité, etc. Et donc en gros, je mets mes couilles sur la table et puis voilà, j'essaie de vous faire peur. Bon, ben là, on est dans une espèce, on pourrait dire, une forme de féminisation, en quelque sorte, ou de l'art de la guerre, qui passe par la production d'une image de faiblesse de l'agresseur. Et justement, pour endormir, en quelque sorte, la méfiance, et endormir, en quelque sorte, les impulsions de réaction, et pour, en fait, nous convaincre, finalement, que le combat ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas matière à se battre, puisqu'il n'y a pas d'ennemi. c'est là-dessus que... dans ce champ-là, aujourd'hui, que se positionne l'OTAN, par exemple, que se positionne Israël, que se positionne... Enfin, qui sont les deux principaux facteurs de trouble aujourd'hui. Et donc, le... Voilà, bon, alors moi, dans Gouverner par le chaos, j'avais proposé le concept de reality building pour essayer d'englober avec une expression, synthétique, tous ces phénomènes-là. C'est-à-dire, ça, il s'agit de construire la réalité. À travers l'expression de reality building, bon, j'imite un petit peu ce que font les Américains, les Anglo-Saxons, qui adorent ce genre d'expression un peu clinquante, là, à base de building. Ils adorent le bodybuilding, le team building en management, et puis bon, je me suis un peu amusé. Alors, le nation building aussi, je parle de ça. Là, bon, j'avais trouvé ça, le reality building, bon, là, c'est en fait le constructivisme intégral. Et stratégique, donc un constructivisme stratégique qui vise à façonner la perception de l'environnement global, c'est-à-dire la toile de fond au-delà des contenus individuels, c'est-à-dire le consensus groupal dont je parlais tout à l'heure, le groupthink, c'est-à-dire l'ensemble des normes dont nous ne pouvons pas déroger
enfin de sans risquer le ridicule. Et puis à l'intérieur de ça, bon, il y a tout un tas évidemment de formulations, enfin de combinaisons individuelles. Mais ce que le pouvoir doit, enfin essaye toujours de contrôler, c'est vraiment la toile de fond, c'est l'environnement. C'est pas les discours individuels particuliers. Donc, il faut réussir donc à façonner en fait les normes, hein, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. On a vu donc en 2012 hein, une grosse tentative hein, pour normaliser donc le mariage homosexuel, par exemple. Sachant que là, ce n'est que la locomotive. Hein, après, il y a tout un tas de trucs qui arrivent derrière. Et donc, bon, ça n'a pas vraiment pris. Enfin, je veux dire, c'est encore sur un siège éjectable. Mais là, il y a eu un gros travail pour, en fait, inverser même la norme, hein, et pour, en quelque sorte, réussir à nous inculquer que, finalement, c'est l'hétérosexualité qui n'est pas normale. Il y a eu tout un discours en fait, universitaire qui se met en place depuis les années 80 sur la critique de l'hétéronormativité, par exemple. Comme si c'était pas normal, justement. et pour, en fait, essayer de mettre d'inverser ce qui est donc la norme, et donc, l'objectif, enfin, avec pour perspective, en fait, fondamentalement, d'éclater, d'atomiser toute forme de normativité. C'est ça le but à la fin. Donc, c'est toujours. Enfin, là, on est dans l'ultralibéralisme ou dans l'ultralibertarisme. Hein, l'individu et à lui-même sa propre mesure. Donc il s'agit, alors voilà, donc le reality building, enfin ce que j'appelle le reality building, enfin c'est un constructivisme stratégique dont le but est de, enfin mon but sera de vous enfermer dans une réalité virtuelle. Alors pour que ça marche, hein, il faut réussir à effacer le geste de la construction, évidemment. Parce que si le geste de la construction est visible, bah, tout simplement, on voit que c'est une construction. Donc, ça ne marche plus. Hein, puisque pourquoi accepter cette construction? C'est-à-dire que l'arbitraire devient perceptible. Une construction, c'est par définition, n'a rien d'absolu. Enfin, une construction peut succéder à une autre construction. Donc là, le travail dans lequel, enfin le travail justement de l'ingénierie sociale consiste à nous enfermer dans une construction, mais que nous prenons pour la réalité unique. Hein, si nous percevons que c'est une construction, nous pouvons la comparer à une autre réalité. Donc l'unicité de cette réalité va être en quelque sorte mise en comparaison, et donc le relativisme devient possible par la comparaison. Or, donc l'ingénierie sociale a une intention carcérale, hein. Le but, c'est de nous enfermer, c'est pas de s'amuser à construire des réalités virtuelles comme ça pour le fun, pour le plaisir. Non, le but, c'est de nous enfermer dans une nouvelle réalité qui prend la place de la précédente. Et pour ça, donc, il faut dissimuler le geste de la construction par ce que l'on appelle une naturalisation. Et il faut donc inculquer en même temps que, effectivement, il est naturel de faire telle ou telle chose, et que finalement, effectivement, l'hétérosexualité n'est pas naturelle. C'est ce qu'on nous a dit, là, avec la théorie du genre. Finalement, une petite fille qui veut une robe rose, c'est pas naturel. Un petit garçon qui veut un camion de pompier, c'est pas naturel. C'est une construction. Voilà. Donc là, ce discours qui nous a été tenu est lui-même un prélude à donc une nouvelle naturalisation, hein, qui consiste à dire que une nouvelle naturalisation à l'intérieur de laquelle les femmes portent des barbes et les hommes portent des robes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours aussi, puisque la théorie du genre continue d'être appliqué, enfin divulgué dans les écoles. Mais justement, donc, pour que le geste de la construction disparaisse, ils ont arrêté d'en parler. Si vous vous souvenez, mais pendant 6 mois, 1 an, on nous a bourré le crâne avec ça. Du jour au lendemain,
les médias, le pouvoir, arrêter d'en parler. Et même a prétendu que ça n'existait pas et qu'il n'en avait même pas parlé avant. Alors que bon, enfin, on a toutes les preuves que voilà, enfin, tout est sur Google. Je veux dire, c'est aujourd'hui avec l'outil informatique, c'est traçable. Et donc là, on a je vous donne un exemple typique de ce reality building, de ce constructivisme stratégique, hein, qui vise à nous enfermer dans une réalité où l'hétérosexualité n'est plus la norme, et en dissimulant le geste de la construction, parce que d'une certaine façon, je pense que là, le pouvoir à l'origine de ce mouvement pensait que ça allait passer, sans réaction, en tout cas avec beaucoup moins de réaction. Donc ils ont commis une erreur en communiquant sur la théorie du genre, parce qu'ils pensaient que ce serait beaucoup plus, que ce serait accepté beaucoup plus facilement. Au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur, donc rétropédalage, et on n'en parle plus. Et on dit que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé, qu'on n'en a jamais parlé. Pour, là, d'un seul coup, commencer à, effectivement, effacer le geste de la construction. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, bon, donc c'est pas des sujets très très courants par définition, puisque en fait le bon peuple doit rester totalement ignorant, hein, de ces techniques d'ingénierie sociale. À partir du moment où on commence à se former à tout ça, bah tout ça, on voit qu'elles sont appliquées, hein, ces techniques, et on peut les décrypter en temps réel, parce que ça saute aux yeux, quoi. Et donc, on peut se déconditionner, on n'est plus prisonnier. Donc, surtout, il ne faut jamais en parler de tout ça. Pourquoi je sais que ça existe ? Parce que, tout simplement, j'ai fréquenté les milieux du management, du marketing, de la sécurité des systèmes, et qu'il se trouve qu'encore auparavant, grâce à mes études, j'avais la formation en méthodologie qui me permettait d'analyser et de comprendre tout ça, toutes ces méthodologies dans leurs termes. Voilà. Donc ensuite, bon, enfin, il y a aussi, bon, après, les aléas de la vie qui vous font découvrir telle ou telle chose, rencontrer telle ou telle personne, et voilà. Mais le geste de la construction, donc, doit être effacé, hein, estompé, hein, avec une gomme, hein, comme on efface un trait de crayon, en brouillant donc la perception des rapports de force, hein, par l'inversion du fort et du faible, du bourreau et de la victime. Alors évidemment, à terme, cette inversion vide les mots de leur sens, hein, ce qui rend le dispositif instable, et l'oblige, pour perdurer, à s'engager donc dans une fuite en avant vers l'élimination de toute contradiction et de toute limite. C'est-à-dire, à force de mentir et de mentir sur le mensonge, et de rajouter des couches de mensonges qui s'empilent, les mots n'ont plus aucun sens. Là, aujourd'hui, le pouvoir en France en est là. Les mots qu'il utilise n'ont plus le moindre sens, parce que c'est des mensonges empilés les uns sur les autres, hein. C'est une espèce de pièce montée de mensonges, quoi, comme un gros gâteau. Au bout d'un moment, en fait, et tout ça, ça rend le système extrêmement instable, puisque le discours tenu s'éloigne de plus en plus du réel. Et bon, il y a toujours un problème quand même, hein, quand on s'éloigne trop du réel, quand vraiment il n'y a plus aucun rapport avec les faits, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, quoi, enfin, tout simplement, en fait. Et donc le système langagier, hein, c'est-à-dire le storytelling, la narration du pouvoir, de moins en moins de puissance de conviction, et donc de puissance d'infiltration aussi, hein, donc de puissance de retournement de nos esprits. Donc là, en effet, donc, et c'est pour ça que le pouvoir aujourd'hui est engagé dans une fuite en avant, hein, vers l'élimination, la suppression, l'extermination de toute contradiction, de toute limite. Parce que bon, limite égale contradiction. Voilà. Rencontrer une limite, ça équivaut à un retour du réel, hein, toujours. Donc en fait, à une sortie de la réalité virtuelle dans laquelle on veut nous faire rentrer. C'est pour ça que le pouvoir occidental doit impérativement éliminer toute extériorité géopolitique. Tant qu'il y a des modèles civilisationnels alternatifs, hein, en Russie, en Iran, en Chine, n'importe où, quoi, en fait, enfin, n'importe où ailleurs que dans la zone, en gros,
de l'axe du chaos, hein, Washington, Bruxelles, Tel Aviv, Riyad, si on veut aussi. Tant qu'il y a une extériorité géopolitique, on peut comparer, hein, et puis donc on se rend compte qu'effectivement, ici, le pouvoir essaye vraiment de nous enfermer dans une réalité virtuelle, dans laquelle, effectivement, être hétérosexuel, c'est pas normal. Là, ça va jusque-là aujourd'hui. Et donc, comme le storytelling, comme la narration tenue est de plus en plus éloignée de la réalité, donc forcément les gens commencent à regarder ailleurs, hein, parce qu'il y a une insatisfaction, hein, les mots n'ont plus de sens, hein, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on est vraiment dans l'ultra-violence, mais tout ça avec des, dans une ambiance de bisounours, hein, c'est toujours le discours de la victime, pour nous frapper toujours plus fort, pour nous surveiller de manière toujours plus étroite, pour bientôt nous foutre en tôle sans procès, et que ce soit légalisé. Hein, l'état d'urgence vise à cela, hein, c'est-à-dire à contourner le pouvoir judiciaire. Mais tout ça au nom de la protection des victimes. Là, il y a un nouveau ministère là, qui vient de se créer, le ministère des victimes, je crois que c'est complètement farfelu. Et donc, et en fait, nous sommes en état de dire non, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a une extériorité à ce délire. Sur Terre, hein, il y a de vastes zones géopolitiques où ça ne fonctionne pas comme ici. Et ça, c'est intolérable pour le pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas d'autre choix que d'attaquer, hein, cette extériorité géopolitique. Et il est obligé de le faire. Parce que sinon, en fait, en gros, c'est lui ou l'autre. C'est la nature du pouvoir en Occident. En fait, elle n'est pas capable de multipolarité, pour ainsi dire. C'est pour diverses raisons, que je ne vais pas développer tout de suite, parce que bon... Ça va nous entraîner encore sur d'autres branches, sur d'autres bifurcations. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne doit venir contredire la réalité construite par le pouvoir. Ça, c'est vraiment son objectif majeur. Hein. Rien ne doit venir contredire ce qu'on entend à la télé. Donc nous sommes des cibles, hein, de cette guerre cognitive, autant que les militaires. Hein. C'est pour ça qu'on parle de guerre hybride, c'est-à-dire en fait c'est une guerre où la différence entre cible militaire et cible civile s'abolit, mais aussi entre acteurs militaires et acteurs civils. C'est pour ça que je vous invite à devenir des acteurs, vous en tant que civil, hein, de cette guerre hybride, hein, donc de passer à l'action. Hein. Bon, j'ai essayé de lancer une dynamique à égalité et réconciliation avec les ateliers de réinformation active pour essayer de partager les bonnes pratiques en termes de réinformation. Je me considère un peu comme une espèce de missionnaire de ça, quoi. Parce que, bon, comme 50% de la guerre aujourd'hui, hein, se mène dans le champ de l'information. Et nous pouvons y participer. Et nous devons y participer. Prendre part, tout simplement, pour notre salut, quoi. Enfin, pour sauver notre peau, quoi. C'est vraiment... cet effacement de la distinction entre civil et militaire, de même qu'entre réel et irréel, hein, qui signe donc cette entrée dans la guerre hybride, c'est-à-dire la guerre totale, quoi, sur tous les plans et contre tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui rappelle le réel, hein, tout ce qui pose une limite, tout ce qui pose une limite, donc une contradiction, donc une extériorité, tout ce qui rappelle le réel, c'est-à-dire, hein, tout ce qui pose une limite, une contradiction ou une extériorité à l'histoire racontée par le pouvoir, devient automatiquement une cible à abattre et sera renommée théorie du complot. C'est ça qui est en cours. Là, il y a 2 semaines, il y a eu, je ne sais plus quoi, une journée pour
au ministère de l'Éducation nationale pour dénigrer, enfin pour critiquer, pour dire voilà, en gros tout ce qui contredit la parole gouvernementale, c'est la théorie du complot. C'est-à-dire qu'aucune contradiction n'est tolérée. On pourrait s'asseoir autour d'une table et discuter tranquillement entre adultes sur le 11 septembre, les anomalies, etc., sur les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo hyper cacher, sur les attentats du 13 novembre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter, hein, entre adultes consentants, je dirais, enfin, entre gens bien élevés? Voilà. Pourquoi? On voit bien que le pouvoir est totalement hystérique. Dès qu'on commence à ne serait-ce que laisser entendre qu'il y a peut-être des services secrets impliqués, voilà, là ils deviennent fous, quoi. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune extériorité à l'histoire racontée par le pouvoir. Là on n'est pas dans la science-fiction, hein. On pouvait croire que c'était de la science-fiction, ou du moins, ou que c'était du passé, que c'était les dictatures du XXe siècle, etc. Non, 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 là, on nous y sommes ici et maintenant, en France. Donc, en fait, la maxime, hein, du pouvoir, c'est nous créons notre propre réalité. Donc, c'est une forme d'autisme intégral, hein, qui est érigée en méthode par le milieu donc des lobbies, des spin doctors, hein, des think tanks, dont l'épicentre, hein, en quelque sorte la matrice incubatoire, est Cass Street, hein, c'est à Washington DC, donc c'est un axe de la capitale fédérale des États-Unis, où en fait les bâtiments, hein, des principaux think tanks sont alignés, quoi. Sur quelques centaines de mètres, hein, quelques kilomètres, parce que les avenues sont longues aux États-Unis. Et et tout ça, enfin, essaye de s'imposer au monde entier en se diffusant comme ça depuis cette ville, parce que bon, évidemment, tout n'est pas sur cette rue, mais il y en a beaucoup, mais évidemment, c'est pas uniquement, tout n'est pas centralisé sur ce point. Autrement dit, en fait, qu'est-ce que nous dit le pouvoir en France, aux États-Unis, enfin bref, dans la zone atlantiste ou atlanto-sioniste, c'est quelque chose est vrai parce que je dis que c'est vrai. Et puis c'est tout. Voilà. Et on est censé, en fait, accepter ça comme explication ultime. Voilà. La version officielle des attentats du 13 novembre est vraie, parce que le gouvernement dit que c'est vrai. Et puis vous fermez votre gueule, et puis c'est tout. Enfin, le monde est ma représentation, quoi. Voilà. Donc pour celui qui commande, c'est donc le délire de toute puissance, hein, ni plus ni moins, hein, en acte, quoi, et le déchaînement régressif du principe de plaisir, hein, parce qu'il n'y a plus de limite à ce que je dis. C'est-à-dire, le principe du plaisir, c'est quand on prend ses désirs pour des réalités. Et pour celui qui est commandé, c'est la réduction de la pensée à l'argument d'autorité, hein, et au réflexe conditionné pavlovien, quoi. Mais pour l'un comme pour l'autre, de toute façon, c'est la fin de la pensée logique, hein, qui analyse les causes, et les causes des causes. Ça c'est un... quelque chose qu'il faut absolument aussi généraliser, hein, quand on essaye de faire un petit peu du prosélytisme, hein, autour de nous, c'est rappeler aux gens que certes il y a des causes, hein, tout est fait à une cause, mais aussi les causes des causes, voire même les causes des causes des causes. Vous voyez, ça permet effectivement, de manière parfaitement logique et scientifique, là, de commencer à questionner toutes les versions successives des événements, des opérations psychologiques. Mais c'est absolument, enfin c'est imparable. Je vois pas comment on peut interdire ce questionnement qui est d'une banalité finalement et assez triviale, quoi. Je veux dire, bon voilà, je laisse tomber un objet, il tombe. Bon, il y a une cause, c'est l'attraction universelle, etc. Mais il y a aussi une cause de la cause, etc., etc., quoi. Donc on est vraiment là dans l'application bête et méchante, je dirais, du principe de causalité, quoi, enfin, qui est à la base même de la pensée scientifique. Et donc, en fait, pour le pouvoir, hein, le pouvoir essaie de nous interdire de poser cette question des causes, et surtout des causes des causes. Donc pour le pouvoir,
c'est vraiment, et pour nous aussi, si on tombe dans le piège, hein, si on se laisse faire, c'est l'avènement de la pensée magique. C'est-à-dire, la pensée magique, c'est quoi? C'est quand on répond parce que à toutes les questions. Hein, vous vous souvenez de la publicité, pourquoi est-il si méchant? Parce que. Bon, voilà, ça, c'est. On est là dans l'univers du conditionnement comportemental, hein, où c'est donc le film de. Enfin, ce que Kubrick montrait là dans son film, ça, là, c'est le conditionnement comportemental, là, au sens militaire du terme. Hein, je veux dire, donc un soldat n'a pas à poser de questions, finalement, ou s'il pose des questions et que son supérieur hiérarchique lui répond parce que, eh ben, il doit être satisfait avec ça. Voilà, bon, là, dans le champ de tout ce qui est militaire, de tout ce qui est application opérationnelle, avec une exigence de discipline, on est obligé de s'en tenir à ça, hein, ça évidemment. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, quand on est dans la recherche de la vérité, c'est différent. Là, on s'extrait du domaine strictement opérationnel et où la discipline prime sur la vérité. Hein, donc, à partir de là, effectivement, la vérité peut primer sur la discipline. Qu'est-ce que veut le pouvoir en France aujourd'hui ? Fondamentalement, il veut que la discipline prime sur la vérité. Hein, c'est-à-dire que ce qui est en train de se mettre en place, ça n'a rien fondamentalement de libertaire. Hein, je veux dire, c'est véritablement une structure, je dirais, pas militaire, mais carcérale. Hein, on est plus dans le carcéral, fondamentalement. C'est-à-dire une structure de surveillance carcérale, étendue à toute la société, et où, donc, est disciplinaire, hein, avec cette interdiction de poser des questions. Et donc le droit pour le pouvoir de se contenter de répondre parce que, et on doit se satisfaire de ça. Donc ça, c'est voilà, ça c'est l'univers du conditionnement comportemental appliqué donc par les services spéciaux occidentaux pour fabriquer des groupes aussi paramilitaires, par exemple en Ukraine, en Syrie, et par transfert de compétences dans l'ingénierie sociale de masse civile. Donc à nous. On est vraiment donc là dans la psychose, hein, puisque la réflexion logique ne compte plus. Donc on doit simplement obéir à des stimuli. Voilà. Donc on me dit quelque chose, je le fais. Voilà. Et donc dans le meilleur des cas, j'ai peut-être le droit de demander pourquoi, et si on me répond parce que, je dois me satisfaire de ça. Alors ça, c'est le système de gestion des foules, de gestion des masses, qui essaye de se mettre en place en France aujourd'hui. Donc ultra-autoritaire, ultra-répressif, mais sous des airs, hein, donc, comment dire, de démocratie et de droits des minorités. On est vraiment là dans le forme, enfin, ce qu'on dit, ce qu'on appelle banalement de l'hypocrisie. Hein. Donc, on est vraiment là aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est une vaste psychose qui essaie de se mettre en place, mais une psychose dirigée. Hein, donc, en fait, borderline, quoi, c'est-à-dire en fait une sorte de sociopathie érigée en norme. Donc, le livre du monsieur là devant là, qui parle beaucoup de ça. Quoi. Le but, là, aujourd'hui, c'est pour les sociopathes qui dirigent le système occidental, c'est aussi de nous rendre nous-mêmes aussi sociopathes. Hein, c'est de nous contaminer avec leur pathologie. Donc l'évacuation, c'est-à-dire que le but, hein, quand on regarde vraiment précisément ce qui est en cours, c'est l'évacuation complète de toute référence à un monde objectif. C'est donc le subjectivisme intégral, hein, la confusion mentale qui en découle, hein, mais qui reste compatible avec une forme de vie en société, malgré tout, mais en mode dégradé, hein. Et en fait simplement adapté à des tâches spécialisées, hein, et stéréotypées, comme le maniement des armes, par exemple, hein, ou la réparation d'un véhicule, ou enfin bref, nous devons rester opérationnels pour faire le minimum de ce que le pouvoir nous demande, mais rien de plus. Donc ce qui se met en place, hein, au niveau du modèle psychique, hein, c'est un modèle psychique compartimenté. C'est-à-dire, on reste capable d'actions concrètes, hein, dans le monde, mais avec aucune perspective d'ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment une structure mentale clivée, hein, compartimentée,
donc schizophrénique, donc globalement folle, hein, qui a perdu tout contact avec un monde objectif, au-delà du discours du pouvoir. Hein, c'est-à-dire le discours du pouvoir doit devenir totalement englobant. Il ne doit jamais être rapporté à une extériorité. Donc, bon, ça, c'est la structure de la psychose. Hein. C'est le petit enfant qui est totalement, enfin, qui grandit, mais qui reste totalement sous contrôle du discours maternel. Le père, en principe, est là justement pour extraire le cerveau de l'enfant du discours englobant maternel, pour introduire l'enfant à une extériorité, au monde objectif, quoi. Enfin, au monde réel. Donc là, en fait, ce que le pouvoir essaie de mettre en place, c'est une structure hybride où nous serions encore fonctionnels sur des tâches locales appliquées, un peu comme des robots, mais sans plus aucun rapport avec le monde réel. Donc c'est en fait, on conserve donc des compétences techniques qui restent indemnes. Et bon, ce modèle psychique est assez répandu dans certains milieux, hein, donc notamment ceux du crime, par exemple, ou des sectes, hein, où les gens perdent le contact avec la réalité, tout simplement, mais restent capables d'une certaine technicité sur des techniques, par exemple, donc le maniement des armes ou je sais pas quoi, la conduite d'une voiture et voilà, donc ce modèle psychique qui essaye de s'imposer hein, dans tout le monde occidental a été donc modélisé par les recherches en mind control, hein, MK Ultra, etc. Ce modèle porte le nom de double pensée hein, dans le roman de George Orwell, 1984. Ça correspond donc à un profil psychologique qui est fondé sur le couple suggestion-autosuggestion. Donc le pouvoir nous suggère une représentation, un monde virtuel, et nous devons nous auto-suggérer que c'est bien le monde réel. Et ça essaye de se répandre, hein, cette espèce de poison, hein, on sent bien que c'est vraiment ça, ce mode de fonctionnement cognitif qui devient la norme. Donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que le principe de réalité vacille hein, chez beaucoup de gens. Dans cette partie du monde, donc, gouvernée par l'axe du chaos, hein, Washington, Bruxelles, Tel Aviv, où le pouvoir cherche à nous plonger tous, hein, militaires et civils, donc, dans un bain quotidien de déréalisation. C'est-à-dire un système d'hallucination collective réglé, une démence chronique hein, et englobante, hein, mais conçue pour ne pas nuire au fonctionnement de la machine. Et du moins à court terme, hein, évidemment, parce qu'à long terme, c'est idiocratie, hein, ça tient pas debout. Et c'est pour ça qu'on commence aussi, en quelque sorte, on peut subodorer, en fait, hein, le début de la fin. Ce que je disais hier aussi, là, dans une autre prise de parole, c'est-à-dire que, en fait, le recrutement des élites se fait sur la base de ce modèle cognitif, hein, qui est totalement à côté de la plaque, mais qui reste capable, par exemple, de gérer quelques informations dans le plan au niveau juridique, au niveau professionnel en tout cas. Donc ça fait des spécialistes, quoi, en fait, des gens qui sont adaptés à des tâches professionnelles bien limitées, hein, bien localisées, mais qui sont globalement, profondément immatures. Et qui n'ont pas finalement les capacités pour garder le contrôle des masses. Ils n'ont pas le niveau. Parce que justement, le recrutement des élites se fait sur une base, sur la base de ce profil qui cultive la déréalisation. Dans la zone géopolitique eurasienne, par exemple, les élites sont recrutées, en revanche, sur leur capacité de travail, vraiment. Donc on a affaire finalement à des gens normaux, quoi. Enfin, des gens qui ont une vision du monde réaliste, qui peuvent avoir, il peut y avoir des défauts, hein, évidemment, en Russie, en Chine, en Inde, en Iran, etc. Mais disons que les élites montent sur la base de leur capacité d'analyse rationnelle du monde objectif. Et pas
en fonction de leur adhésion à une réalité virtuelle de plus en plus éloignée du réel. Je vais m'arrêter là. Il est déjà 22h. Donc, je peux, si vous avez des questions, je...